Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dimanche 25 mars. Je suis dans la voiture, je vais partir. J'ai des trucs à faire aujourd'hui. Enfin, j'ai décidé que j'allais vous partager de temps en temps des parties de ma vie, mais quand c'est un peu intéressant, quand je fais des choses un peu cool. Donc aujourd'hui, je vais faire un shooting pour des robes orientales et je me suis dit que ça serait cool de vous montrer ça. Et dans quelques jours, je vais faire un défilé avec des copines et tout, donc je suis trop contente et je me suis dit que j'allais vous partager ces deux jours là parce que c'est un peu plus intéressant pour vous de voir des autres choses en fait que la vie quotidienne, genre travail, dodo, boulot, etc. Donc voilà, il y a une voiture qui est arrivée là, donc j'ai dû partir parce que je bloquais le chemin. Bref, il y a des voitures derrière moi, donc je vous parle tout à l'heure. Bon, je viens d'arriver, j'ai une heure de retard parce qu'il y a le changement d'heure. Non, en vrai, c'est pas à cause du changement d'heure, mais j'ai quand même une heure de retard et il y a quand même eu le changement d'heure. Je me suis maquillée moi-même parce que j'aime me maquiller et ça me permet de faire des maquillages un peu plus chargés. Enfin, voilà quoi. Et j'ai pas trop l'occasion de faire des maquillages comme ça. Et je vais essayer de vous montrer le plus possible de cette journée. Enfin, je sais pas, ça va durer toute la journée, je pense pas. Je vais essayer de vous montrer les tenues, etc. Et je vais voir avec qui je suis. Je crois qu'on est 4 filles, mais je ne sais pas qui sont les autres. Ou peut-être que je les connais. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, je vais vous amener dans cette journée avec moi. Et j'espère que ça vous plaira. Bon, je vous ai dit que je ne savais pas si j'allais connaître quelqu'un au défilé. Et bien finalement, oui. Au défilé, bon, au shooting plutôt. C'est Carla. Salut. Et Carla aussi a une chaîne YouTube, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ouais, ça, vous pouvez aller voir. Elle fait des trop belles vidéos. Donc voilà. Et avec ma murette. T'as toujours des tenues. À chaque fois que je filme un truc, t'as toujours des tenues comme ça. Toi. Incroyable. C'est pas lourd ? Si, c'est horrible. Moi, ça va, elle est trop jolie, ouais, celle-là. Elle est trop belle. J'ai un peigne et je voulais me donner du volume aux cheveux, tu vois. Ouais. Genre, les crêper un peu. Ouais, ouais, bref, tu devrais un peu. Ouais, dessus. Parce que là, j'ai pas trop de volume. On va y aller. On va vous filmer ça. Il y a ouais, le décor. Hein ? Il y a le décor un peu, là-bas. Ouais. Donc, on va aller voir. T'arrives ou quoi? Bon, on a changé de tenue. Elle est plus trop légère. Belle. J'aime trop. Attends, je filme un peu comme ça. Ça a grossi un peu, je trouve. Ouais, un petit peu, mais bon, même ça va toi, quand même. Elle est trop belle. Ouais, c'est j'aime trop, bien. Trop beau. C'est vraiment beau, hein. Ouais. Algérois. C'est trop joli. En plus, les couleurs, elles sont pétantes et tout. C'est Carla qui parle dans son ouais, blog, en fait. C'est vraiment trop joli, je trouve. J'aime bien. J'aime mal aux yeux avec cette lumière. Mais ça rend bien, je trouve. C'est pas trop descendu là. Non, ça fait. Non, ça fait pas trop bien. Ça fait vraiment hôtesse, je trouve. Ouais, grave. Je sais pas de quel fly, de quel avion. On va faire Algérie. Ouais, ça va, j'aime bien. Bon, c'était cool. Tu crois qu'on a fini? Non. Pas on n'a pas fini? Non. Si, je pense. Moi, je crois pas. Ah, bah peut-être toi. Ah. On va voir s'il y en a d'autres détenus. Bon, tout à l'heure, je pensais que c'était fini, mais c'est pas encore fini. Donc là, c'est une tenue, je sais plus c'est quoi le nom, mais elle est trop belle. Ah, merci. C'est une tenue Chavi. J'ai piqué son téléphone. Elle est trop belle, j'aime trop. Il y a Carla là-bas qui est en train de se faire prendre en photo. Bon, je pense que j'ai encore une tenue, donc je vais aller me changer. Et je vais vous montrer tout ça. Je suis arrivée à la maison, j'avais plus de batterie pour finir de filmer toutes les tenues que j'ai portées. Mais de toute façon, si j'ai les photos, je vais essayer de vous les intégrer dans la vidéo. Sinon, vous allez sur Instagram, je poste tout le temps sur Instagram et elles y seront, c'est sûr, si vous voulez voir le résultat. Et là, je vais aller me démaquiller parce que là, je suis un peu trop maquillée pour sortir comme ça. Et je vais me remaquiller simplement et je vais sortir. Voilà. Salut à tous!
tu peux venir dans la vidéo, Pauline. De toute façon, je t'ai déjà filmé, donc tu fais ça. Ouais, tu m'as filmé quand je t'ai filmé. Coucou. Pauline, tu veux dire pourquoi on est là? Parce qu'on est des super modèles. Ça, c'est dans le mauvais sens. Parce qu'on est des super modèles. Nous sommes là pour défiler pour la collection de Madeline Stuart. Tony Hutton, moi non. Reason why. Je bouge pas. Donc on défile pour la collection de Madeline Stuart, 21 Reason Why, à la Réal à Marseille. Et voilà. Et on a faim. Moi j'ai faim. Et qui est Madeline Stuart? Madeline Stuart est une jeune mannequin de 22, 23 ? Notre âge. 21 ans. Bah voilà. 21 ans. Voilà. Elle a des cheveux absolument magnifiques en plus. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Pas habillée pareil que nous parce qu'en fait, après, on va défiler aussi pour. Moi, j'ai l'intrus. Voilà. On va défiler pour le Garek. Moi, il fallait que j'aille la voir pour lui montrer pour lui voir si c'était bon. Ah, vas-y. Les filles, vous venez faire une photo toutes? Vous venez? Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. On n'avait pas envie que tu sois sur la photo. Vous souriez? C'est quoi cette couture qu'on boit, toi? C'est quoi la couture de qui? Voilà, merci! You're a big star. Yeah! Of course she is. Of course. Madeline's very excited to be here. She's just come straight from Paris Fashion Week and she just did London Fashion Week. So it's really nice to be in Marseille. Do you like Marseille? Yeah. Is it pretty? Yeah. And we live near the ocean, so it's like home. Oh, it's very nice. We've been in Europe for 8 weeks, so it's nice to be here and we feel like we're near home. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma chambre, le défilé s'est très bien passé, c'était une belle soirée. Je suis super fatiguée, je pense que je vais vite aller me coucher. Et voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!